Les hippotragues noires se regroupent en troupeaux de femelles. L'une d'entre elles est la femelle dominante. À la tête du troupeau, il y a un seul mâle. Nous voilà, poussez-vous. Bon, d'accord, finalement on boira plus tard. Il est combatif et il n'hésite pas à se servir de ses cornes qui peuvent atteindre 1,20 m. Elles sont malheureusement très prisées des chasseurs. On les a comptées, ils sont 22. Ils s'en vont, venez les enfants. Les très jeunes restent dans le troupeau. Plus tard, ils rejoignent un groupe de célibataires. Les femelles sont de couleur marron. Le mâle, lui, est tout noir. Alors ça, c'est encore l'hippotrague noire. Le paysage, c'est magnifique. Tu as vu les zèbres? Ça y est, ils se croisent. Tu vois, bah. On voit tous les petits derrière blancs. Ouf, enfin seul.